Et bonjour à toutes et à tous, c'est Nathendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Great Ace Attorney Chronicles. J'espère que vous allez bien. Nous allons, dans cet épisode, continuer notre aventure, évidemment, comme d'habitude. Ça ne va pas changer, je vais pas dire, ah ben en fait on arrête. Allez, on arrête. Fin d'épisode. Mais non, évidemment, nous étions dans le précédent, donc arrêtés dans ce suspense où les six jurés avaient dit coupable. Et donc, qu'est-ce que va nous dire Susato? En accordance avec l'encyclopédie de la loi britannique, lorsque tous les membres du jury ont conclu que, enfin, à la culpabilité de l'accusé, les procédures de la cour sont suspendues et le juge qui la préside, doit délivrer son verdict final en une phrase. Enfin, vous avez compris. C'est ce qui est dit ici. Le verdict final. C'est terminé donc. Oh! Il y a une note de pied de page, cependant. Une note de pied. Cependant, la défense. Les six membres du jury sont désormais en accordance avec ce cas. Objection! Objection! Mais gueule-le! Laissez-moi vous donner mon respect pour votre rapide et bonne décision. En accordance avec la loi de ce pays, je vais maintenant procéder. Enfin, je vais maintenant terminer ce procès. En délivrant mon verdict final. Je crois qu'il n'y a pas d'objection. Bah si justement, il est temps de gueuler là. Allô, mademoiselle du château. Juste, dis-moi quelque chose. Ah oui. Tu étais sur le point de dire quelque chose. La note de pied de page en ton ensemble lui dit. Cependant la défense. Qu'est-ce qu'elle disait après? Ah oui, évidemment. Un instant. Quand tous les membres du jury ont conclu que la défense est guilty, la cour de procédure, blablabla. On s'en fout de ça. Alors, cependant, la défense. Ah, a le droit de demander une summation examination of the jurors at the point. C'est quoi une summation? Parce que summation, c'est une somme peut-être? Non? Ah, une. Qu'est-ce que donc? Qu'est-ce que donc que ça? Summation. Une somme, c'est une addition. Mais je vais aller voir, parce que le problème de Word Reference, c'est que c'est un dictionnaire. Je fais pas une traduction de deux mots. Summation, examination. Ok, alors quand tu tapes ça sur Google, ça te met direct The Great Ace Attorney Chronicles. Donc j'ai l'impression que ça va être une nouvelle phase de jeu. Ok, on va se laisser découvrir ça. Bah gueule, objection. Ah, une somme, une examination. Mais gueule un peu. Une examination, une somme d'examination. De quel siècle ce tome, enfin ce livre a-t-il été ressuscité? Ah. En jugeant de la couverture, je dirais que ce livre a au moins 50 ans. Tous les livres de la loi britannique, enfin voilà, tous les textes de la loi britannique ne feraient même pas mention d'une telle procédure antiquaire. N'en feraient même pas la mention. C'est une relique, une depuis longtemps oubliée et certainement plus pratiquée. Ok. Donc, pas de chance. Ah. Bah, objection. Qu'est-ce que c'est donc, mademoiselle Susato? Cette summation examination? Eh bien, un instant. Je vais le dire à son propos. Vous demanderiez
Vous demandez le droit à une procédure avant même de savoir ce qu'elle vaut, ce qu'elle veut dire. Typiquement japonais. Très bien, monsieur Arudo, je pense que j'ai compris. Il semble que sous cette procédure, nous serions capables de faire appel aux membres du jury. Pour faire quoi exactement? Faire appel à changer leur jugement et renverser leur décision. Et il dit qu'ici que si de manière enfin si voilà si réussi les décisions de la justice doivent, enfin du procès doivent être refaites. Leur faire changer de décision. Ok, oui, il y a des temps immémoriaux, les défenseurs utilisaient une somme d'examination pour influencer la décision du jury. Mais cette procédure est devenue une formalité sans aucun bénéfice vraiment. Donc ce n'est plus d'actualité, enfin ce n'est plus utilisé. Je me demande pourquoi. Parce qu'il n'avait pas de but. Ça n'a pas d'intérêt. Changer l'esprit d'un seul des jurés serait déjà très difficile, alors plusieurs. aucun avocat de la défense qui se respecte n'oserait même pas utiliser ce droit. À l'essayer aujourd'hui en cette ère. Mais nous on va le faire parce qu'on n'est pas encore avocat. Style. Je ne vois aucune mention de la procédure qui soit formellement révolue. Qu'êtes-vous en train de suggérer? Je suggère que, bien qu'elle soit antiquée, enfin que ce soit une antiquité et oubliée depuis longtemps, elle n'est pas encore extincte. Enfin, et extincte. Non. Éteinte. Qu'en penses-tu, monsieur Naruhodo? Ben, on n'a pas le choix. Une summation d'examination, notre dernière option possible. Ben, évidemment qu'on va demander notre droit à le faire. J'ai juste une question à te demander, à te poser, Naruhodo. Pourquoi t'as pas gueulé de toutes tes forces? Objection! Le cocher mentait très clairement. Ah, ça a pas fait splac. Ça fait j'boum. La défense aimerait faire appel à son droit d'examination sommaire. Objection, dit-il. Londres est la capitale de la ville et la plus puissante de la nation sur la planète. Nous avons le devoir, enfin nous avons un devoir envers le monde de donner l'exemple des standards de la procédure judiciaire. Et tu penses que faire jeter des flammes dans une balance par Sigus, qui ont des très clairement conflits d'intérêts, est juste, monsieur Van Zyck? Les examinations sommaires sont un embarrassement qui devrait rester enterré. Objection! Ah ben voilà, tu l'as dit, objection. Mais si c'est notre droit, c'est notre droit. Je pense que ça pourrait être se montrer vital dans ce procès. Très bien. Alors la pétition, non, la requête plutôt de la défense est parfaitement valide. La rouspétation. La cour va procéder à une examination sommaire. Voilà. This is madness! Four men, are you. And the remainder of the jury? Oui. Ok. Êtes-vous prêt? Eh bien, je ne suis pas. Il n'y avait pas mention de cela dans la lettre que j'ai reçue, voyez-vous? Tous les membres du jury devront expliquer clairement sur quel fait
Ils en ont conclu leur décision. Ah. Sur quel fait? Ouais, sur quel problème, quoi. C'est intéressant, ça. Vous devez justifier vos décisions et expliquer pourquoi vous pensez que le défendant est coupable. Eh bien, monseigneur, my lord, vous nous mettez plutôt... prenez au dépourvu. C'est plutôt irrégulier, il n'y avait pas mention de cela auparavant. Je ne me sens pas vraiment confiant avec tout ce qui, avec toute cette justification. Sérieusement, tu te prends une décision mais tu ne veux pas justifier. Cela semble avoir fait sortir les jurés de leur gond. Il semble qu'aucun d'entre eux n'ait expérimenté cela auparavant. Très bien, la sommation examination. Procédure de défense qui n'a qu'aucun avocat n'a voulu pratiquer pour de certaines années, enfin pour 50 ans quoi. Eh bien, peut-être que ça peut être l'opportunité que je cherchais pour renverser le procès. Faisons-le, ladies and gentlemen, du jury. La cour vous demande de déclarer les faits ou les propos, les preuves, vous voyez, sur les bases sur lesquelles vous trouvez Magnus McGilded coupable pour le plus sérieux des crimes. Ok, on n'arrive pas à lire, mais on a compris. The Jurors Contentions. Très bien, ça a une nouvelle phase de jeu au sein même des procès. Je trouve ça incroyable. Hein. Ils ont vraiment poussé à fond le gameplay de la série. Et c'est vraiment cool parce que c'est le dernier jeu sorti en date, évidemment. Et ils ont repris des choses qu'ils avaient faites dans Professor Layton versus Phoenix Wright, avec notamment qu'il y ait plusieurs... qui est plusieurs témoins à la barre. Ils ont repris ça, mais ils ont rajouté encore plein d'autres trucs et je trouve ça vachement cool. Il n'y avait personne d'autre à l'intérieur du... Je tire ma rose. C'est quoi comme rose, sérieux ? Il n'y avait personne d'autre à l'intérieur du véhicule à ce moment, donc ça devait être lui. Je crois le chauffeur. Il avait une excellente mémoire, il semblerait. Enfin, il a, ouais. 4 passagers. With fares totaling 20 pence. Ok, super. Ok, il a poignardé, très bien. J'ai simplement écrit et rapporté toutes les déclarations qui ont été faites jusqu'alors et en ai conclu la conclusion logique. Vous pouvez faire confiance au groupe. Fair Fares is our motto. C'est notre ligne, vous voyez, notre ligne éditoriale, notre slogan. N'avons même pas augmenté les prix au-delà de 4 pence depuis des années. Ah, c'est là qu'il le met sur le sol. C'est honteux de poignarder ce pauvre homme sur le sol. C'est là qu'on a le... sur le sol. Il n'est pas sur le sol. Je commence à vouloir, enfin à espérer ne pas avoir fait cela. Voilà. Certains des jurés ne semblent pas avoir eu d'arguments bien formés, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, voyons voir ce que nous pouvons faire. Nous devons faire en sorte que ces 6 personnes changent. Ok, d'accord. Tous d'un coup. Je vais utiliser une langue très persuasive. Juste un instant, monsieur Naruhodo. Dis-nous tout. L'accordance avec mon bouquin, ce n'est pas comme ça que cela marche. Ah bon? Je pensais que j'allais devoir avoir
Alors jeter des pensées glaciales avec une rhétorique qui réchauffe le cœur à propos de l'accusé? Non. Malheureusement, une fois que les jurés qui ont décidé que le défendant est coupable, il est peu probable qu'ils écoutent ce que la défense a à dire. Mais alors? Ils ont conclu à leur, à leur conclusion. Ouais, ils en ont conclu leur décision avec leur propre raisonnement. Tes plans sembleraient plutôt comme des excuses. En fait, ça pourrait te retomber dessus. Le plus tu essayes de les persuader, le plus tu vas les. Voilà. Bon, bref. Et sur quoi sur Terre je suis censé faire? Eh bien. Je cite juste ce que j'ai lu à propos de la Britannique, Monsieur Naruto. Elle t'a suffisamment bien aidé. Faut pas oublier qu'elle a 16 ans, la dame. Bien, tu as raison, je suis désolé. Est-ce que tu as une idée de comment ça marche? Garde le sourire, hein. Eh bien, de ce que je comprends, les clés de cette procédure est d'user les propres mots des jurés pour faire tes arguments. Eh oui, que veux-tu dire? Eh bien, les 6 membres du jury ont sélectionné de manière assez aléatoire des membres du public. Ah, c'est les membres du public, ok. Et ils peuvent sembler être présentés comme un front uni, mais la vérité est qu'ils sont complètement étrangers l'un de l'autre, qui se trouvent juste être dans la même salle de justice. Et ça, c'est la façon de les briser en deux. Oui, exactement. Ok. Nous devons écouter clairement ce que chacun d'eux a dit et voir si nous pouvons identifier des contradictions dans leurs déclarations. Si nous pouvons, nous devons contraster ces témoignages voilà, et se faire monter la bourre entre chacun des jurés, l'un l'autre. Je vois, donc c'est des contradictions entre un ou deux jurés qui disent ce que nous cherchons. De toute façon, c'est plutôt similaire à une contre-examinatoire. Eh bien, oui, je suppose que tu as raison. En effet, trouve des contradictions dans leurs témoignages et monte les jureurs, les jurés les uns contre les autres. Je peux être capable de faire ça. Non, ce n'est pas bon. Je dois faire ça. C'est bien. Pour nous commencer la procédure. Je vais vous demander de prendre la barre pour cela. Ok, très bien, Mylord. Ah ouais. Waouh, la classe, Naruto. Bam. Pam, 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 pam. J'adore la musique. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Les musiques de ce jeu sont trop bien. Alors, il n'y avait personne d'autre à l'intérieur de ce blablabla, donc ça c'est vrai. Je crois le blablabla. Hold it! Mais est-ce que sa capacité à se rappeler ses paroles, non, ses passagers cette nuit, donne plutôt, enfin, nous disent plutôt la confiance que l'on peut apporter à cet homme? Je m'occupe de toutes les affaires d'argent du Lord Ships. Donc je suis plutôt particulière lorsqu'il enfin, voilà, lorsqu'il s'agit de comptes, je vois. Un simple sou peut faire la différence entre la vie et la mort, après tout, n'est-ce pas? C'est ça qu'on dit dans votre pays?
Mon point est qu'un homme qui. Qui fait attention à ses apparences, je suppose, est un homme que nous pouvons faire à qui nous pouvons faire confiance. Les gens comme nous en service jureraient sur ça. Est-ce que ce banc a vraiment besoin de nettoyage? Donc si le bon chauffeur dit qu'il a vu Monsieur McGilded dans l'action, alors je lui fais confiance. Je n'en doute pas. Ok, la seule tâche qui me reste aujourd'hui, donc la seule tâche qui me reste à faire aujourd'hui, est de jeter les poubelles. Non, attendez une minute. Un autre des jurés a mentionné quelque chose à propos d'argent. Maintenant, c'est un bon moment pour écouter avec attention les autres déclarations des jurés. Si tu as remarqué une inconsistance dans ce que les jurés disent, tu vas les exposer en les pitting them together. Ok. Pam pam pam, il stock de sap, absolument brazen. Pam 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 pam. You can trust the guild. Nous n'avons pas augmenté les prix à propos de 4 sous. Ouais, c'est lui qui parle de sous. C'est autant que ça qui. Ça touche. Enfin, qui ça paye. Très bien, c'est cela. En tant que chef de guilde, j'ai décidé de mettre la politique dans les drivers. Un trajet, peu importe, enfin une taxe plutôt, un prix plutôt, peu importe combien de bus tu prends et jusqu'où vous allez. Nous devons, eh oui, nous devons être armé face à la compétition des voitures à moteur, voyez-vous. Nous, cochers, devons nous montrer ensemble. Voiture à moteur, dites-vous? Oui, mais ce meurtre dans l'un de nos bus est extrêmement problématique pour notre cause. Voilà, ça va mener au déclin de nos passagers. Vous pouvez me citer. Tata, c'est tout, c'est la faute de ce méchant. Il a à payer. C'est à propos du crime ou de ses sous qu'il est le plus inquiet. De toute façon, tous les membres de ma guilde sont. On peut compter dessus et digne de confiance. Donc, si le chauffeur a dit qu'il l'a vu, alors c'est que il est coupable. Bon. Là, il y a un truc qui nous montre que. Non, non! Qu'ai-je fait? Non, j'ai juste passé à la suivante. We just need to find two jurors with contradictory statements. Pit them against each other. Oui. On l'a trouvé. Non, mais on l'a trouvé. A dit du no. Bla 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 bla. C'est bien, j'ai pris la liberté de faire quelques recherches dans le cas où me trouver dans une telle situation. It's a little long, I'm afraid. Dois-je lire ce que j'ai trouvé? C'est un peu long. Vas-y, dis-moi. Très bien. Écoute ça. During la sommation examinée, we hear the assertion of six members. Ok, blabla, le Council for la défense should use X and P with impunity. Having done. Ah, ok, mais c'est le. C'est tuto. Donc en faisant cela, tu vas pouvoir comparer les assertions des autres jurés et sélectionner les boutons correspondants pour écouter à nouveau les autres conversations. Ok. Prends note que tu ne peux pas sélectionner, ouais. Ah, non plus ceux qui ont déjà changé en nom guilty. Très bien. Rien de bien neuf. Une fois que tu as comparé. Ok, donc on fait un premier pit et un deuxième pit. Très bien.
Ok. Ça, c'était pas très long non plus. Hein. Première étape est d'écouter clairement. Clairement. Blablabla, blablabla, blablabla. Très bien. Let's get this right now, so I never have to listen to that long and boring explanation again. En effet, tu ne veux pas écouter cela à nouveau. Pam, 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 pam. Alors, elle nous dit 4 passagers pour 4 sous. Enfin, 4 passagers pour 20 sous. Ça fait 5 sous. Alors que lui nous dit que ça vaut 4 sous. Eh bien, c'est une petite contradiction. Mais c'en est une. C'est lui. Nous n'avons pas augmenté les prix au-delà de 4 pence. Objection. On s'en fout un peu, mais... Ces deux déclarations se contredisent clairement. Ah bon? Expliquez-vous. Moi? Oh mon dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? Je jure sur le la lame de métal. Blablabla, on s'en fout. Que je n'ai pas la même moindre idée de ce qu'il dont elle parle. Oh là 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 là, mais il marche et tout quoi. La classe. En accordance avec le témoignage que nous avons entendu jusqu'alors, il y avait 4 passagers dans l'omnibus la nuit en question. Pim 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 pim. Il a pris la confiance, hein. Et en accordance avec le cocher Monsieur Bipo, il a pris 20 pennies en taxes. 20 sous. Cela est vrai. J'ai ces détails précis notés juste devant moi. Et le jury numéro 5 nous a également dit la chose suivante. Les taxes pour l'omnibus est toujours 4 pence. Donc c'est 4 sous. C'est cela. Un juste et convenant prix unique. Juste comme les véhicules de Londres doivent opérer. Mais ça ne s'ajoute pas du tout. En fait, cela nous laisse à une plutôt grande, enfin une voilà, une visible contradiction dans les faits. Et pourquoi donc? Pourquoi? Combien font 4 x 4? 4 passagers ont payé 4 pennies chacun. Si vous faites la multiplication, ça ferait 16 pennies. 16 pence, exactement. Comme je l'ai dit, ça ne s'ajoute pas. Les résultats sont différents. Mais 4... Mais de 4 sous, en fait. Ou précisément, le prix d'une personne. Voilà, le coût, le billet, le prix d'une personne. One person fare, c'est quoi faire? Je pense que c'est... Je vais quand même vérifier pour que j'ai le mot exact. Je dirais que c'est le dû, peut-être. Prix du ticket, ok. C'est le prix du ticket. Faire, c'est prix du ticket. Bah putain, nous on a prix du ticket. PRIX, espace, DU. Espace T-I-C-K-E-T. Relou. C'est bien C-K-E-T, hein. Ouais, ça va. J'ai encore épléthique. C'est 3 mots, 15 lettres. Je dis 15 au pif. Et E, c'est F-A-R-E. C'est quand même bien plus simple, F-A-R-E. Oui, en d'autres termes, dans l'omnibus cette nuit, il est clairement possible qu'il y avait un autre passager dont nous n'avions absolument pas entendu parler. Oh mon dieu, j'en perds ma perruque. En effet, comme quoi 4 sous, c'est, ça ne peut pas être vrai. Les cochers de cette guilde sont bons et des hommes honnêtes. Tous, un comme tous. Digne de confiance est notre main mot. Ça fait beaucoup de main mot. Les résultats que votre cocher déclare ne sont certainement pas cohérents. Votre main mot, mon cher homme, est fallacieux. Je vous demande pardon. Ah, ça commence. Monsieur Guildmaster, chef de guilde.
je me demande si vous pensez à considérer que si ce procès devait se terminer maintenant, les nouvelles bien joué ça, se diffuseront rapidement dans tout Londres. La nouvelle que l'un de vos cochers a essayé de cacher le fait que l'un qu'il ait laissé un personnage néfaste monter à bord de son omnibus. Très bien, eh bien, comment je fais pour que ce misérable procès continue, ne s'arrête pas? Ben c'est très simple. Change ton vote, eh bien, en accordance avec mon bouquin ici. Vous avez simplement à lancer une boule de feu dans le côté des innocents pour équilibrer de la balance. Attendez. Gardez vos... Dressez vos chevaux ici, cocher. Nous avons tous un accord. Ah. Attendez que j'ai mes mains sur vous, Bipo. Bam. Ah, j'avais pas vu que ça mettait blanc derrière. C'est très irritant. On vous demande pardon, monsieur, je vais devoir faire la même chose. Il leur en faut peu quand même. Mais j'avais pas vu que ça a changé de couleur derrière eux. Sauf pour l'amour de Mike. Vous aussi. Alors... Je veux pas être chiant, mais si tu ajoutes 6 flammes d'un côté, elles y sont encore si tu en rajoutes 2 de l'autre. Il n'est pas donc censé y avoir qu'une seule flamme de différence sur la balance, voyez-vous? Alors que là, oui. C'est comme si ça l'avait enlevé. Peut-être que ça l'enlève, mais je sais pas comment. C'est un jeu vidéo, ta gueule! Merci. A penny can be the difference between a smile and a tear after all. Un sou peut être la différence entre un sourire et une larme après tout. Ok, je ne veux certainement pas mettre ma confiance dans quelqu'un qui ne suit pas mes standards dans les sujets financiers. Oh vraiment? Et pour une fois... Je pense que c'est seulement bon que nous entendions ces témoins à nouveau. Et ben voilà. Oh, bien joué, monsieur Naruhodo. Tu l'as fait. Regardez-moi ce sourire radieux. Ça valait le coup. Nous allons nous arrêter là pour cet épisode incroyable. Nous avons réussi à renverser la tendance, la vapeur de la balance, de la justice, de la flamme qui brûle en 12 images secondes avec du JPEG. Le jeu est incroyable. Ce jeu est incroyable. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode et on se retrouve dans 2 jours pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.